175 à Mesa, sur la rue McEllips. Le prix est 225 000. Dans Toscany Villa, très très belle communauté. Deux garages, très récents. Très tranquille, peu d'entretien ici. Voir à l'entrée, vous avez une petite cour privée. Des meubles extérieurs. Donc, c'est vraiment récent ici. La boîte d'entrée ici, contrôle. Petite fontaine. Une très grande porte. Vous avez une porte de sécurité. En plus, que vous pouvez ouvrir et laisser ouverte. Parce que je rentre une très belle porte en bois. Et voici à l'entrée, vous avez une très belle éclairage. L'entrée, vous avez céramique de 18 par 18 environ. Et lorsque vous rentrez, vous avez une garde-robe ici. Et vous avez la cuisine et le salon avec. Vous avez la salle de lavage ici, à votre droite. Les armoires et l'accès au garage ici. Oh, un instant. Un garage et beaucoup d'armoires. Très très propre le garage. Le garage. Et vous avez une chambre ici, la première chambre à gauche en rentrant. Vous avez aussi la chambre, bonne grosseur, mais c'est pas tellement grand. Ça, il rentre aucun problème. Là, un lit, là, un lit queen ici au centre. Et vous avez un garde-robe aussi. Et vous avez la chambre de bain qui est privée aussi. Et avec la douche. Et voilà la cuisine, très belle cuisine récente, avec des comptoirs de granit, la vaisselle Bosch, et vous avez des électroménagers Kenmore aussi, au gaz, c'est qui est très bien. Très beau salon. Et ici, vous avez la chambre des maîtres. La climatisation à l'extérieur ici, qui est une bay window. Et vous avez la chambre de bain ici, avec deux sinks. Vous avez un très grand garde-robe ici. Et vous avez une douche qui est très bien, tout en céramique. Très grande, avec même un siège ici pour vous asseoir. Et vous avez la chambre de toilette ici qui est fermée. Donc le tout était très bien construit. C'est une propriété aussi qui est très très récente. Et je vais aller vous montrer la cour ici, privée. Une petite cour qui est couverte ici. Et couverture ici. Une petite cour très facile d'entretien. Voilà.